Je me sentais bien dès le début et j'ai voulu remonter direct assez vite. Et c'est vrai qu'en voulant remonter, ben j'ai fait une mini erreur dans le terrain juste derrière là, après les rondins, et j'ai crevé de l'avant. Donc voilà, le dépannage était 200 mètres après, donc j'ai eu de la chance. Et j'étais entre le changement plus la crevaison en elle-même, j'ai dû perdre 15-20 secondes. Quoi. Enfin, tu repars combien à peu près là? Tu repars 30. Ouais. J'étais 23, je repars 30. C'était pas évident mentalement, j'imagine, de se remettre dedans hein, au premier tour que tu crèves, ça commence mal. Quoi. Ouais, c'est vrai que après, voilà, mentalement, je savais que dans tous les cas, c'est ma position habituelle. Donc, je suis toujours dans ces eaux-là, donc ces derniers temps. Et donc je me suis pas affolé. J'ai monté au fur et à mesure, j'ai vu que j'avais un bon coup de pédale. Et techniquement, j'ai fait la diff. Voilà, chaque tour, dans la technique là-haut, on se reprenait un temps monstre. C'était avantageux aussi parce que dès que j'étais avec un groupe, ça me permettait de gaper sur le groupe devant. Et du coup, j'étais toujours avec des bonnes roues. Et si j'étais pas derrière un groupe, j'étais seul. Donc au final, j'ai jamais amené trop de monde. Et c'est ce qui m'a aidé de remonter le groupe. Tu vas chercher ce podium dans le dernier tour, vraiment quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Comment ça se passe ce dernier tour? Avec qui? C'est avec Flukiger. Ouais. Je sais qu'il est nerveux, mais je sais qu'il est capable de me tenir pendant une 2 minutes. Mais s'il était fatigué, il aurait pété. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il a pété direct. C'est vraiment le jeu mental. Et mentalement, je lui ai fait mal. Et c'est ce qui a payé, en fait. Il y a 2 ans, tu avais fait déjà une grande course à la Bresse. Aujourd'hui, c'est aussi une grande course. Puis elle a une saveur particulière, j'imagine. Après tout ce que tu as vécu, après la période difficile. Quoi. En plus, c'est un bon cadeau d'anniversaire. Donc c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je suis vraiment content, c'est une belle récompense pour moi et je suis vraiment content. Je vais partager le podium avec un copain aussi, avec Max, donc ça fait plaisir aussi. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je pense qu'on s'est beaucoup appris mutuellement et c'est un super coureur et j'apprécie beaucoup, donc ça me fait vraiment plaisir de faire un podium avec lui. Ce retour en forme, il arrive à pic avant 15 jours de Land the Ride, quoi. C'est qu'est-ce que tu penses pouvoir faire à ces mondiaux, quoi? Si je pars bien, je vais essayer de jouer un podium, quoi. Enfin, de toute façon, un mondial, on y va pour jouer des médailles. Le reste, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est important. Voilà, ouais, on retient les médailles. Donc voilà, je vais essayer d'aller jouer un podium là-bas. Ces derniers temps, au niveau mental, digestif et tous les problèmes que j'ai pu avoir, ça s'est arrangé progressivement. Donc tous les feux sont verts et j'espère que ça va aller là-bas. Voilà. Super, nickel, belle course. Merci.